be flashing my pink in 10 seconds flat. You'll be mad with a drink. Whoa! Bring out the machete. Swing that spark, go up in the party. It's not that. Like a phone in a cold war room on the third floor. Knocking on my front door. Me, I'm kind of a parody. You, with that dexterity. Lean back, now here's what I meant. Getting cooler like 20%. Quand même que je vois pour débloquer des gens. Bon, alors on a du monde sur la pique. La chasse au diamant. Genre les mêmes placements qu'hier. Pourquoi? Je retourne des bagnoles, je suis un fou. C'est la fête. Ça passe ça. Ça passe pas du tout ça. Moi je le saurais.
Ça va prendre à essayer de regarder si quelqu'un s'est pointé. Faut que je prenne l'autre. Ah, c'est bon, je les ai tous. Cool. J'ai gagné des freins. Ah bah j'ai déjà les freins. C'est cool. Déjà ça de prix. J'ai toujours pas débloqué de jantes entre temps, des fauteuils. Ah si, mais elles sont naze. Enfin... Si, ouais, effectivement elles sont naze. Ah, quoique... C'est quoi ça? Ouais, c'est plus des roues américaines.
Oh, y a pas des gens qui tiennent la route dans le tas? Oh, parce que ça serait cool quand même. Bon, la rigueur, c'est pas trop mal, mais... C'est pas pour le prix que ça coûte. Ok, bon. Option. On peut pas faire un truc de... Montre-moi uniquement les courses aux catégories E, enfin ou D plutôt. Je suis en D maintenant. Oh bah ok, il n'y a que de l'open. What the fuck is that? Ouais, ça rend pas mal.
the fuck is that? Y'a un mec derrière moi en fait? Genre, y'en a qui me colloquent depuis tout à l'heure. La grosse blague. Salut Draco. Gagne des vite teintes et trop bien. Ouais, ensemble on va dire que ça va. Par contre, je suis pas rentré sur cette course, c'est trop long. C'est chiant. Tiens, recherche. Ah ok. C'est quoi ce truc? Et parce que j'ai désactivé les autres joueurs sur la mini-map, enfin sur la map, tout court même en fait, ça m'a aussi désactivé les autres, l'affichage des joueurs sur la mini-map. C'est super con. Allô.
Ah putain! T'as le gang des Sylvia là? Parce qu'il y a vachement d'avoir avec cette course depuis le début. Allez, je peux le rattraper avant la fin. Si ça se passe un minimum comme il faut. Ou pas. Dommage. Il y a des gens qui CS sur ce jeu? Qui ça veut dire quoi CS? Oh, j'ai gagné des pneus street, incroyable. C'est les autres courses, elle est pas mal. Cash up, oui. J'ai moi-même un peu cash up, oui. J'ai un compte sur lequel j'avais dépensé 5 euros pour avoir la Skyline vieux modèle. La R30, du coup. Je crois. C'est le début de Fast and Furious 5. 5, hein, pas le 6. De toute façon, le début du 6, c'est une 35. Non, mais ce qui est sympa quand même, c'est que c'est pas trop pay to win comme cash shop. Bon, il y a quand même certaines bagnoles qui sont un peu abusées, quoi. Genre, la Skyline que j'avais pris, à l'époque en tout cas, elle était complètement pétée, quoi. Mais je l'avais pris pour le style. Ah, je sais, t'en fais pas. Tu sais, il n'y a qu'à jouer à... Comment s'appelle ce jeu, le con? APB Riodil pour comprendre que le Pitwin, il y en a qui n'hésitent pas à utiliser. C'est le jeu pour avoir un exemple de ce qu'est vraiment un pay-to-win. C'est un truc de dingue. Bah d'où? Y'a arnaque, monsieur le géant! Avec les parcs-mètres. Putain. Toi, c'était pas très mal de ma part.
pour les montures, les costumes et les boosts. Putain. Ah bah j'ai récupéré la épée, c'est désert, c'est parce que j'arrivais plus à force. Ah oui, remettre les autres joueurs sur la mini-map parce que sinon... je veux aussi voir... Pour dire de fixer un objectif au niveau de l'achat d'une prochaine voiture. Alors je voudrais une classe D pour dire de la EP en classe C plus tard. Il y a quelque chose c'est BMW peut-être intéressant là. Je vais relayer eux. Ouais, bouf. Bon, Dodge. Ah, bah, il n'y a rien de suite qui acheté, mais alors, bon. Pourquoi l'autre coup, ça a affiché que des payantes? Pas des. Des cash-shots. Bon, y aller ce spawn là encore. Hein. On a vu pire. Ah, une petite masse de une petite lanceur Evolut. Ah, ça pourrait être sympa. Hein. C'est 150 000 quand même. Hein. La coupe, je suis en train de penser, le lanceur, est-ce qu'il est déjà boosté? Non, c'est bon. Parce que ouais, je vais faire gaffe à ça parce que sinon ça va être bloqué. Je m'en fous comme un con. Non, je ne fous pas. Ou une petite Subaru, ça marche aussi, même si je suis peut-être une petite préférence pour la Lancer. Ou on prendra une Lancer Evolite. Attends, j'ai que deux emplacements de garage en fait. C'est de l'arnaque. Bon, l'objectif c'est de gagner 6 500 $. Non, 650 000 $. Est-ce que je peux pas de légende? Je suis gros de trucs, je crois. Ah, ça fait un cul milieu. Je pense que ça ferait trop. Alors, je sais en plus il en trouve. Oh, on peut aussi différentes finitions. Intéressant. Vinyl, y a quoi? Je crois bien que tu es tout seul et pourtant je vois 7 personnes normalement connectées. Et après, rien ne dit que mon truc n'a pas bugué encore une fois. Donc de toute façon, 100 kills de carrosserie.
vois pas bien ce que je pourrais mettre comme, comme sticker qui pourrait rendre ça fatoche. Oui, c'est exactement ce que j'ai aussi. Faudrait aussi que je répare ma caisse, parce que c'est pas que j'ai fait un peu de carambolage là, mais. Voilà. Hein. Bon, cette course était sympa, est-ce qu'on peut la refaire? Alors, pourquoi est-ce qu'il me la met pas? On fait une recherche auto. Outlaw. Non, pas envie. Ouais, pour autre chose. J'ai mis ça moi dans cette playlist. Ah bon. Bon, en théorie j'ai mes chances. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés de me coller d'entrée de jeu quoi? C'est pas vrai, elle est large la route, bordel! Tiens! Oh oui! Oh non! Ah, trop dégueu! C'était une fin intéressante. Mais c'est quoi cette bagnole de merde? De mort à la pied, il existe encore ce truc là. C'est un mec qui l'avait retiré. Non, trop long. Bon.
enculé. Mais non hein. Dommage qu'il n'y ait pas d'aspiration dans le jeu. Et merde. Bon, la bonne nouvelle c'est que voilà, il allait forcément se crasher avec une vitesse pareille. Foutu abribus.
Mais merde! Ah, t'es en train de laguer. Bah putain, je sais pas quelle connexion tu as dans ce cas. Elle a pas volé bien, ou. Il le cache, ça marche toujours. On aurait peut-être changé de course. Parce que là, en ce moment, j'ai mis 2000 de débit. Et normalement, une connexion ADSL, c'est 8000, donc. PC, moi putain, ils étaient de Mathusalem. Salut Seb, mais par contre, ça serait bien que tu puisses t'exprimer et que je comprenne. C'est lequel quoi? C'est quoi cette course? Il est aussi puissant qu'un plat de spaghettis dans un lac. Pfft. Intéressant. Et oui, c'est Fast World. Pourquoi cette musique? Et pourquoi pas? Éviter les arbres quand même. Parce qu'un arbre ça trompe énormément. LOL. La preuve. Putain mais je vois même pas où jouer quand vous êtes. C'est un petit peu problématique, il faut l'avouer. Intéressant. Exactement, parfaitement bien avec le jeu, la musique. Ça vient de High School TXT. Un anime très rebondissant. Et voluptueux. Je l'ai coiffé sur le poteau. Ah, je suis piqué sa putain en troisième place, mais il doit être trop deg. Du nitro. Très bien. Bon, maintenant que je connais la course, ça devrait mieux aller.
Bah, de toute façon, c'est écrit à quel anime ça appartient. C'est écrit en gros, Ascult XD New Ending 2 Full. Ça va, quoi. Non. Pas du tout. C'est pas du tout ça, cet anime. Ça serait mal me connaître de regarder des trucs pareils, quand même. Osez croire ça de ma part, quoi. Ça c'est le personnage principal qui me fait complètement délirer quoi. Oh la vache, il y a type quoi. Il est rentré dans la bagnole et ça l'a à peine ralenti quoi, c'est quoi ce délire? Le lag. Tiens, ça t'a ralenti? Canard, oups. Ah mais c'est nain, pourquoi est-ce qu'ils font passer la course par ce machin quoi? Deux fois de suite, je fais le même coup au même mec. Oh bah ça va, Rui Suzumiya. En plus c'est la base quoi. J'ai envie de dire, c'est le minimum syndical à avoir regardé quoi. Et c'est encore relativement normal comme anime on va dire. Relativement j'entends. Ah mais le mec il doit être trop deck quoi, il doit s'arracher les cheveux. Putain mais ça m'énerve ce truc d'assujement là qui se met tout le temps. Ça me stresse là. Par contre je voulais voir assez Faust au niveau des skills. Parce que ils sont pas upables. Poursuite. Race. Ah mais je peux en acheter plusieurs en fait. C'est ça le délire. Classiquement drague. J'ai bien envie de remettre ça à un truc comme ça, la red line, parce que c'est quand même pratique d'entrer le jeu d'être devant et puis éviter de se taper toute la plèbe. Ah celui-là il est 5 pour il donne 5% supplémentaire, celui-là il n'en donne que 3. Intéressant. Oui effectivement, School of the Dead ça a été très loin. La scène qui me marquera toujours c'est quand même la scène où le mec il prend le sniper de la gonzesse et puis lui tire entre les seins. C'est n'importe quoi.
Mon dieu. Alors, on va mettre ça. On va mettre un deuxième. On va mettre un boost de cash. Voilà, ça coûte combien tout ça? 32 000, bah j'ai assez. Ah merde, je suis gouré. J'ai pas mis le bon de cash de course. Quoique. Attendez. Social, il crash cash, un from race. Crash cash, un from poursuite. Ouais, si c'est ça, je suis trop bourré. Je vais pas le remettre dans l'inventaire du coup celui-là. Non, genre non. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. Oui, explose le compteur, effectivement. Dans le jeu, c'est possible d'être premier? Bah bien sûr, c'est du joueur contre joueur. Faut dire que là, j'ai une grosse série de pas de bol là, sur cette course-là. Elle ne réussit pas du tout, quoi. Du coup, d'être complètement paumé dans la nature, là. Et de la verdure et tout, je suis pas habitué à ce que ce soit vert, moi. Mais c'est pas vrai, la route elle est pas assez large. Sérieux quoi. Oui, il est bon celui qui est devant. Et merde. Quand même. Ah, il y a en catégorie C quand même. Il y a quand même une légère différence de bagnole. Et vu qu'il est pas mauvais. Mais c'est quoi cette. Mais brûlez-moi cette voiture! Enfin, non, décapez-la! Pensez-moi ça à fond! Pourquoi tout le mec met un logo Need for Speed à la con sur le côté? Salut Lohan, t'arrives bien tard toi. Allez, go.
Pareil, celui-là, il a vu qu'on pouvait mettre des vinyles, il l'a mis partout. Il a pris la peinture la plus chère, parce que c'est la plus chère, donc c'est la meilleure. Ah, voilà. Je chope les coups. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un chemin qui est plus long que l'autre. Wow, c'était quoi ça? Il y a des voitures acrobatiques maintenant sur le circuit, ça rigole plus. Et suspension course. Incroyable. C'est le seul guide. Par contre, le mec en face, en fait, il a combien de power-up exactement? Parce qu'en fait, il n'arrête pas d'en balancer, quoi. Ah, il y a un mec qui a rajouté un tour.
sans pas prolonger son agonie, j'ai envie de dire au final. Il s'est planté. Merci le tour bonus. Tiens, pour être sûr. Après les deux derrière vont pas arrêter de se fighter la gueule, donc je pense que je vais être tranquille. Si je me plante pas. Genre là c'était un peu limite quand même. Et voilà! Ah bah voilà, j'arrive premier! Bon! Tiens, Minatus qui se pointe! Zombie, effectivement! J'ai pas vraiment d'anime préféré personnellement. Si tu veux avoir une idée de ce que j'aime, le plus simple c'est d'aller voir mon anime list qui est disponible dans la catégorie à propos sur YouTube. Je suis désolé, moi dans High School DxD, ce que j'adore, c'est le perso. Le héros, il me fait juste délirer tellement il y a juste à fond son truc, justement. Il est tellement à fond que ça en devient ridicule et marrant. Bon, pourquoi est-ce que j'ai encore une notification à con là, qui se met là Ça me serait assez notification. Je vais peut-être réparer ma caisse, je crois qu'elle a besoin maintenant. Ouais. C'est con ce machin quand même, ça sert pas grand chose. Y'en a un, il m'a décidé de montrer qu'avec sa Porsche il pouvait faire des burns. Je te comprends Draco, mais bon. C'est assez dur à trouver quand même, je pense, si tu veux une 86. Donc j'en ai vu une il y a pas longtemps près de chez moi. Il n'y a pas longtemps, ça commence quand même à dater. Ils sont tous en catégorie C quoi, ils ont enculé. C'est de la triche! Fallait encore qu'ils sachent que ce soit vraiment une bonne intéressante. Puis en soi, elle a intéressant que sa réputation quand tu la connais. Parce que sinon c'est une voiture qui est assez moyenne. Enfin. Putain, je suis passé par dessus l'autre quoi. J'aime quand même, ils me prennent tous le rallongi. Parce que je suis désolé, c'est pas un raccourci, ça te rallonge le temps.
Comment est-ce qu'il a fait pour passer ce virage comme ça? Je savais pas que j'avais vu cette musique là. Oh putain, je suis trop con quand je veux. Dommage, j'ai perdu de pioche. Non, celle-là, je l'ai pas mis, Go Ninjago. Déjà vu Demon Wonderland. Queen's Blade, je déteste. Je fais chier. C'est n'importe quoi. C'est montrer du boobs pour du boobs, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai bien le boobs. Mais si c'est juste pour montrer du bubs pour du bubs, non. Bon, est-ce que les DxD, en tout cas la première saison, est pas... d'exemple défaut, quoi, à ce niveau-là, quoi. C'est clair et net que... ils ont un peu abusé, quoi. C'est un peu gratuit. Helsing, je pense depuis un moment essayer de voir, vu qu'apparemment, vu que j'ai vu plein d'AMV et compagnie dessus. Enfin, qu'il y a eu plein d'AMV dessus. J'imagine que le jeu, enfin que le jeu, que l'anime doit pas être dégueu, si ça a plu autant de monde. Mais bon. Rien à foutre du manga, je veux regarder l'anime. Qu'elle soit respectueuse ou non, du coup, j'ai rien à péter. Des fois, c'est même mieux que ça respecte pas le manga. Regarde, Initial Day, si ça respectait le manga, ça serait moche. Je le prends mal ce virage, c'est dingue. Sauf qu'il y a beaucoup d'accidents après la première saison initiale de Japon. Midnightus Initial Day a été fait à partir
du fait que c'était, ça faisait déjà avant. Ça, c'est dur à imaginer pour nous en France, mais là-bas, c'est vraiment quasiment tous les week-ends, là-bas, réunion en haut de la montagne pour la descendre, pour faire descendre en dérapage, quoi. C'est assez dur à imaginer en France, mais c'est comme ça. Il y a quelques coins en France où ça fait quand même un peu le genre de conneries, mais c'est sur le genre des tronçons d'autoroute ou je sais pas quoi. Les petits jeunes n'ont pas besoin du manga pour se dire on va faire pareil, tu sais. Moi, je tiens pas tellement que ça à être japonais, vous voyez. Y aller quelques temps pour dépaysement, pourquoi pas, mais globalement, c'est un pays qui a l'air assez attrayant par rapport à nos normes à nous occidentaux. Et qui en fait crée un peu du boudin des fois quand tu commences à gratter un peu. C'est pas la Chine, mais je vois pas que c'est juste à côté. Et c'est clair qu'au moins ils font du bon dessin animé, eux. Hein? Ah bah oublie pas que les courses, ça peut finir en prison ou à l'hôpital. Pays du soleil levant, et du manga, et du hentai. Pas oublier le hentai. Putain, mais ils me font chier avec ces trucs-là. Pourquoi est-ce que ça s'affiche là? Je vais essayer de comprendre. Pourquoi il y a un cadeau qui s'affiche là? Ah d'accord, j'ai débloqué un cadeau. C'est cool. Là, en fait, j'ai plein de trucs à machiner là. Putain, mais j'en ai débloqué combien des trucs? Skill mode super shot. Team mode explorer. Si tu veux. Bon bah je suis refait hein. Ah d'accord, ça dit ce qu'on va gagner après, quoi. Ou ce qu'on a gagné. Je comprends pas. Pense que ça m'intéresse un peu. C'est méticuleux. C'est trop bien les tailles, wesh. J'ai vu Art Corner de Benzaï. C'est quoi le rapport avec le hentai en fait? Il est très drôle Benzaï, mais il est drôle dans un style spécial.
Bah après, GTA V, je vous rappelle ce qui s'est passé au début de GTA 4. Hein. Au début de GTA 4, des tonnes et des tonnes de jeux GTA 4 ont été revendus. Peu de temps après que ce soit sorti, parce que ça changeait complètement de San Andreas et que tout le monde s'attendait à voir ça. Et c'est pareil pour tous les jeux. Pour tous les jeux, il y a des versions collector et tout qui sont directement disponibles, genre une semaine après, parce que les gens l'ont fini ou que ça les intéresse pas en fait, ou quoi. Ah bon, il y a un rapport avec le hentai dans le... Ah oui! Je l'avais oublié. En fait, ce qui est con dans le jeu, c'est que... Tout coûte tellement cher au final que bah, on se fait rapidement chier quoi si on veut tout du l'argent gagné in game. Comment t'en foirer, mais c'est pas grave. Je m'amuse bien moi. Bah tout dernier. À la fin du premier, il propose à un petit de regarder Biolac. Et au deuxième, il cache un taille dans son sac à convoyeur. Ouais. Attends, l'avant-dernier c'était quoi du coup? Ah non, tu parles du tout premier corner ou du l'avant-dernier? En tout cas, on dira ce qu'on veut sur Benzaï ou quoi que ce soit. La série qu'il a fait avec Ganesh 2 sur Derrick, ça se pissait dessus de rire, hein. Je suis désolé. Tout argument sera rejeté par rapport à ça. C'était peut-être presque aussi marrant que... comment s'appelle la Panthère Rose avec Romano et puis Pois. Placement de produit. Enfin, c'était avec Pau, c'est avec Sora, je sais plus. Je l'avais fait. Cette musique. Oui, espèce de vieux gif qu'elle avait fait pour le jeu, quoi. Il y avait même pas son avion, son fameux avion dont on me rabâche les oreilles depuis je sais pas combien de temps. Eh ben, il était pas là. Ah, c'est ma pire purge, le jeu est trop. Ah, bon. Bon, il se fait quelle heure? Ok. Ouais, bah on va s'arrêter là. Hein. Faut pas trop profiter plus, j'ai pas envie de refaire une course maintenant. La fin de la dernière, elle me convenait parfaitement. Et on va stocker, lui, il fait de la merde. Ah bah, il en fait plus. Peut-être faire un tour pour essayer de faire juste avant de se quitter. Juste pour voir ce qu'il y a au niveau des bagnoles et tout.
Lol. Fort des go. Ce que je supporterai jamais dans ce, dans ce, sur cette bagnole là, c'est vraiment l'aileron arrière. C'est ridicule, quoi. C'est... On dirait qu'il y a une casquette sur la bagnole, quoi. Je pense que si vous vous rendez compte, les mecs, ils ont regardé la bagnole, ils ont fait « Ouais, on va lui mettre une casquette. » Bon, je sais pas, l'aérodynamisme et tout, hein, je suis pas con non plus. Voilà, voilà, quoi. Ford Lotus Cortina. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, quand même, quoi. Ça coûte cher, quoi. Et Jaguar. C'était trop. Ah ouais, quand même, messieurs, quand ils mettent une Jaguar, ils mettent une Jaguar, quoi. Bah, c'est pas celle derrière dans la pub de... Je sais plus quel rasoir. Mais alors en plus, ils en mettent peu, quoi. Marussia, qu'est-ce que c'est que cette marque? Jamais entendu parler. La gueule de la bagnole me dit quelque chose, mais jamais entendu parler de la marque. Mazda, on avait déjà regardé. Mitsubishi, ils ont quoi donc? Ah, il y a une Evo 10 quand même. Ouais, d'accord. Voilà l'Evo 10, quoi. Ah, il y a quand même l'Eclipse que tout le monde connaît, mais en payant, quoi. D'accord, il y a des caisses spéciales Need for Speed World. Voilà, voilà. Pourquoi il y a une 249 sur le toit, là? On peut m'expliquer. Ah, Nissan, on va rigoler chez Nissan. Ok. Celle-là, j'aurais peut-être dû la prendre plutôt, celle-là. Plutôt que la 240. Et 350Z, mais payante. 370Z, ah elle est pas payante elle par contre, va comprendre. Ouais, toujours cool. GTR 35, ça j'en veux. 1 300 000, ça va quoi encore. Ouais, stylé. Nismo R34, ouais, voilà ça. Voilà quoi, c'est déjà... c'est payant. Intéressant. Ah, c'est celle-là que j'avais acheté. J'avais fait en rouge avec des jantes chromées, ça la rendait trop bien. Et on a une R32. Payante aussi. Bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Pagani. Plymouth, tiens, y'a quoi, Plymouth? Ok. C'est un peu cher quand même par rapport à ce que c'est. Renault Sport.
C'est sérieusement sérieux, quoi. Je veux dire sérieux, quoi. Genre, il y a des gens qui vont payer pour acheter cette caisse-là. Je veux dire, c'est une Renault, quoi. Payant, ok, je te détaille à quoi du coup? À 86, ok. Ah, elle est directement en classe D la 86. Bon, pour la hauteur qu'elle est en classe D, voilà quoi. Elle est démerdue. Voilà. Je suis pro. Je veux. C'est quoi ça, police? C'est quoi ça, c'est genre russe? Non, c'est la Suède, ça, plutôt. En Suède, tu vas me dire qu'ils ont ça comme bagnole de flic? Non, sérieux. C'est juste parce que les Suédois ont pas des bagnoles qui tiennent la route, et donc du coup, ils ont choisi de leur mettre celle-là. Ah non, on peut pas acheter que du vrai pognon. Enfin, avec du pognon dans le jeu. C'est forcément du vrai pognon. Non! Les mecs, vous avez chié à la colle! Putain, je suis trop deg maintenant. C'est quoi chez Volkswagen? La voiture du peuple, t'as vu, représente. Et la Sirocco. Mouais, mouais, mouais. Allez, juste pour dire t'es pas moi, je crois. Y'a quoi chez BM? Si tu veux, si tu veux. Ah, ça, ça a quand même plus un minimum de classe, quand même. Putain, mais les prix des bagnoles, quoi, mais arrêtez. C'est genre quoi, ça? C'est du Rolls, ça, non? Bah, Bissu tombe bien, et Bloodlife va pas tarder à se finir. M3 Sport Evolution. Ah ouais, genre décapotable et tout. Pourquoi pas? Ah, il y a 4 rames. Ce motif est... Putain, le prix de la caisse, quoi, mais arrêtez. Chevrolet. Fait délirer l'accent du mec dans la pub Chevrolet. L'accent, il ressemble tellement à rien. Faut que j'avais déjà regardé. Ah bah j'ai fait le tour. Ah Mercedes, j'ai pas été voir, tiens. Ça, ça m'a fait toujours délirer cette bagnole. La tronche de la caisse, quoi. On dirait ils ont pris une voiture normale et puis ils ont tiré le bout, quoi. Genre ils l'ont pris avec des pinces pour les... Oh putain, mais c'est quoi ce truc? Non mais c'est quoi le but, c'est de faire un suppositoire à camion ou comment ça se passe? 8000 points! Il y a des gens qui m'ont payé. Je crois que ça donne 10 euros, quelque chose comme ça. En même plus, pour avoir ça. Je veux dire, sérieusement. Il y a la voiture de l'air patrie. N'importe quoi. Bon, sur ce les gens, moi je vous dis à plus au monde, mangez des pommes, buvez du lait, portez-vous un peu sur ce.com, ainsi qu'à ma test.exoic.fr, sur ma test.com.
La chaîne et la communauté vont être disponibles à toutes les deux communautés. Vous pouvez également faire un tour sur Facebook ou mon Twitter si ça vous éclate. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire sur la vidéo sur YouTube, évidemment, parce que sur Twitch ça marche pas, ça va, j'ai compris. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et par contre, je suis désolé, mais comme j'ai même ma musique à moi, les vidéos seront pas en diffusion sur la chaîne YouTube. Voilà, je rappelle au passage, hein, parce que j'ai essayé pour la dernière, le truc, c'est qu'en gros, ma vidéo est disponible plus que, en gros, en... comment on s'appelle le... En Papouasie Nouvelle-Guinée ou un truc comme ça, quoi. C'est les bloqués qu'il y a dans quasiment tous les pays, quoi. Bon, voilà. Allez, à plus.